ordre du commandant Vitalion. Qui organise la défense? La porte sud est tombée. La ville est perdue. Conduisez ces gens au navire. À vos ordres. Je dois aller sur les quais. Existe-t-il un autre chemin? Oui, vous pouvez passer par les bas quartiers. Défoncer la porte avec moi. Je ne sais pas.
Courez! Beaucoup trop de sang a coulé. Beaucoup trop. Vitalion a ordonné le repli. Nous devons aller au palais de justice. Centurion, nous sommes coincés. Ça fait maintenant une heure. Leurs archers nous servent. Ces barbares refusent de lâcher prise. Avec moi, soldats! Ils vont goûter à la force de nos boucliers, au tranchant de nos lames. Ne lâchez pas! Tenez bon! Les pilotes! Rassemblez les survivants et repliez-vous! Les autres, sécurisez le pont pour la retraite! Je vais retrouver Vitalion au palais de justice! À vos ordres! N'approche pas du palais de justice, Romain.
Marius, viens, suis-moi. Nous allons peut-être pouvoir obtenir un répit. York est perdu. Nous devons essayer de sauver le plus d'hommes possible. Le fleuve est notre seule issue. Nous les aurons à Rome, à bord du navire de guerre. Il est capable de soutenir toutes les attaques lancées par les barbares. Non, ils devront embarquer sur les autres navires. Commodus et sa garde ont fui à bord du navire de guerre. Ils ont été les premiers à quitter le port, en jetant femmes et enfants par-dessus bord. Quel est l'état de nos défenses, soldats ? Nous sommes coupés de tous les quartiers et nous essayons de tenir les ponts, mais la plupart des nôtres ont été évacués. Bien. Quand tous nos hommes seront à l'abri, nous évacuerons sur le dernier navire. Compris ? À vos ordres ! Marius, par ici. Il faut absolument en informer le Sénat. Commodus devra payer pour ce qu'il a fait. Prends le commandement, Marius. Va chercher nos hommes pour le pont et ramène les vivants. Je vais superviser l'évacuation d'ici. Vous là ! Repliez-vous ! Préparez-vous à évacuer ! Je vais prendre le scorpion pour couvrir votre retraite. Faites-moi passer sur la rive gauche. Allez ! Allez ! Let's go.
au départ du navire. Non! C'est vous qui partez! Vous devez vivre! Le Sénat vous écoutera, vous êtes un commandant! Ils vous écouteront! Allez-y! Thank you.
Damoclès était un grand guerrier. Il était admiré par toute son armée. Mais ses méprisables généraux l'abandonnèrent. Némésis, déesse de la vengeance, permit donc à Damoclès de regagner le monde des vivants sous la forme d'un esprit vengeur. Un centurion en armure noire qui n'aurait de repos qu'après avoir chassé et tué tous les généraux qu'il avait trahis. Damoclès. Marius Titus, tu es un général de Rome. Je t'ai fait venir pour me protéger de Damoclès. Mais tu es Damoclès! Les dieux me viennent en aide! Tu es Damoclès! Oui, en effet. Et mon histoire touche presque à sa fin. Je n'avais plus qu'un seul but, un seul et unique désir. Le désir de vengeance. Me venger de l'empereur Néron, qui avait massacré ma famille. Me venger de ses fils méprisables, qui avaient décimé ma légion. Pour accomplir cette vengeance, il me fallait revenir aux origines. Retourner chez moi. Le chemin du retour vers Rome fut pavé d'embûches. Le mal dont souffrait la Bretagne s'était répandu dans cette ville. Des réfugiés affamés se pressaient sur les routes pour échapper à la torture et à la misère, fuyant une Rome autrefois libre. Le chaos avait remplacé l'ordre. Mon seul but désormais était de regagner Rome et de mettre un terme à cette folie. Je devais empêcher Néron de détruire la ville que j'aimais, et la rendre au peuple. Pourquoi ? Pourquoi ? Par les dieux, pourquoi ? Prétorien ! Qu'est-ce qu'on a là ? Un héros ? Un noble vétéran des campagnes ? Baissez vos armes, ou vous êtes mort. Attrapez-le ! Ne vous laissez pas faire ! Tuez-le ! Allez ! Allez ! C'est ça ! Donnez une leçon à cette crapule !
chercher des renforts. Oh merci. Merci, Centurion. Commandant, un légionnaire a tué Atticus et Janus. Il y a quelqu'un. Vous deux, allez voir. Ce n'est rien. Retournez à vos postes. À vos ordres. Je vais devoir éviter les rues si je veux m'en sortir. Et nous allons le retrouver. Là, espèce de chien. Allons-y. Lâchez vos armes. Rendez-vous! Rendez-vous! Ou vous mourrez! Baissez nos armes! Pour qui nous prenez-vous? Nous sommes des prétoriens! Oh!
59. Il en reste combien? Une centaine à peu près. Sur la Via Augusti, quelqu'un a dessiné la tête de Néron sur la croupe d'un cheval. Mauvaise idée. Ils n'y sont pas allés de main morte. On est en train d'enterrer toute la rue. Qui peut nous aider? Plus d'eau propre, plus de sanitaires, plus de lits. Quant à la nourriture... Quelle nourriture? Je dois la quémander. On est perdu, étranger. Tu vois, Marius, ce n'est pas toujours dans des contrées lointaines que nous attendent nos pires ennemis. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon père était un héros de l'Empire. Ton père était un grand général et un sénateur apprécié. Trop apprécié, peut-être. L'Empereur est un homme jaloux. Et mesquin. A vécu au service de Rome. L'empereur Néron ne vit que pour Néron. Il veut le pouvoir pour le pouvoir. Il se prend pour un dieu. Un vent glacé du nord a murmuré des mots perfides à l'oreille de l'empereur. Ton père et ses compatriotes voulaient rendre Rome au peuple. Alors Néron les a fait assassiner. Après tout, c'est ce que font les empereurs. Il a partagé le fruit de sa cupidité entre ses deux fils, Basilius et Commodus. Il leur a confié des pouvoirs et des responsabilités dont ils ne sont aucunement dignes. Rome a abandonné ses enfants, Marius. Tu es une pièce maîtresse dans le camp des hommes. Et tu as, comme nous tous, un vrai rôle à jouer. Damoclès, l'esprit de la vengeance. L'avenir de l'Empire est entre tes mains. Sauve Rome. Sauve Rome, Marius. Je devais participer au tournoi de l'Empereur. Un seul homme pouvait m'y faire entrer. Je lui rendis donc visite.
Damoclès ? Je suis venu pour le tournoi. Ah ! Tu es un gladiateur ! Oh ! L'armure mythique est une très bonne idée. C'est assez... Seuls les meilleurs guerriers participent au tournoi. Voyons si tu te bats aussi bien que tu t'habilles. Que mon cher Commodus tient son champion. Bravo! De mieux en mieux! Lancez le prochain acte! Un champion de l'arrêt! Tout droit venu des contrées bâtards! Justinius! Fais attention, il ne plaisante pas! Appartements. Tu veux te battre pour ton empereur? Je vais honorer ta demande.
Voici ton parchemin d'entrée. Ne l'égare pas. Tu fais de la violence une forme d'art. Pour ma part, je m'exprime différemment. Voici quelques-unes de mes dernières œuvres. Je viens d'y apporter les derniers enjolivements. C'est un cadeau pour mon père l'empereur. Une pièce tout à fait remarquable, si je puis me permettre. Elle renferme une petite surprise. Un compartiment dans la tête lui permet de verser des larmes de vin blanc, symbole de son immense amour pour l'Empire. Mais on peut aussi y mettre tout autre chose. N'importe quoi. Du sang. Partout du sang. Des montagnes grises font tomber le Sénat. Les rues de Rome seront rouges. Rouges de sang. Je t'ai vu dans mes songes. Libère-moi si tu souhaites connaître ton avenir. Toi, le héros déchu de Rome, l'esprit de la vengeance. Damoclès sera tué par le grand général Marius. Et ce général sera tué par Damoclès. Mais l'empereur Néron ne pourra mourir que par sa propre épée. Tu ne peux pas le tuer. Commodus était le suivant. Ici, dans le Colisée, il recréait pour le public ses grandes victoires et s'en attribuait les honneurs. J'allais gagner le droit de l'affronter et débarrasser Rome de ce poison. J'allais obtenir ma vengeance. J'ai tellement hâte d'aller me battre là-bas. T'as pas idée. On sera massacré au premier assaut. J'ai combattu dans toutes les arènes. Aucun homme ne m'a vaincu. Voici le Colisée. Tu ne viens pas te battre. Tu viens mourir. Les gladiateurs!
lequel gagnera le droit d'affronter leur redoutable Général Commodus en combat singulier. Est-ce que ce sera toi, Damoclès? À la conquête de leur fort impie. Fulminant de rage, le grand Commodus fit ravaler leur effronterie aux rebelles bretons. Lumière au cœur d'une douvre conquise, la flamme éternelle de Rome. Vous sortez Dieu maintenant, hein? Yeah.
et sa redoutable fiche. Commodus traversa ces bois d'un pas léger, agile comme un loup. Agile, tu as entendu? Les redoutables archers retournent. Attaquez Commodus! Commodus les affronta seuls. Tu sais, tu étais si malin que moi. Tu as attaqué le mal à la racine. Mais tu n'es pas moi. Tu n'es qu'un bout de qui a changé. Les Bretons envoyèrent leurs plus féroces guerriers. Ils pensaient pouvoir arrêter l'indomptable Commodus. D'un redoutable barbare, assoiffé de sang comme vous n'en avez jamais vu. Désolé, Damoclès, mais c'est 1000 deniers. Ce sera pas. Yeah.
Toutes les nations qui ont osé défier l'Empire. Je suis le plus grand général que Rome et son peuple aient jamais connu. Aujourd'hui, vous avez eu l'honneur, oui, l'honneur d'assister au massacre de tous les gladiateurs qui vont affronter. Ces gladiateurs autrefois craint et adulé, gisent maintenant sous vos yeux. Et c'est moi, votre général, votre sauveur, qui les ai tués. Aquilo, je dois t'avouer que je suis très inquiet. Pourquoi donc, mon empereur ? Ce Damoclès s'est battu comme un lion toute la journée. Il ne semble même pas fatigué. Votre fils ne risque rien. Je me fiche de ce qui peut arriver à cet abruti. Je crains pour ma bourse. J'ai parié une fortune sur sa victoire. Je ferai ce qu'il faut. Votre bourse ne craint rien. Or, n'est votre abruti de... fils. Ton général ! Ton sauveur ! Tu dis que tu protèges Rome. Qui te protégera de moi ? Dernières heures, espèce de chien galeux. Sois maudit. Ne suis-je pas le plus grand. Silence. Allez, Damoclès, viens te venger. Ici. C'est moi, Commodus, non, imbécile. Je suis Commodus. Je suis Commodus. Le spectacle est terminé, Damoclès. Lequel de ces formidables guerriers est le vrai Commodus ?
Lui. Attrapez-le! Ça fait mal, ce poison. Je ne peux pas prendre de risque, Damoclès. Je sais que tu comprends. Je suis immortel, certes, mais la foule est tellement volage. Un coup de toi et ma réponse... Tu es
es un homme mort, Commodus. Je suis Damoclès, l'esprit de la vengeance. Tu es le suivant. Je ne connais qu'un homme capable de se battre ainsi. Nous allons finir ce que ton père a commencé, Marius. Allez, il faut sortir d'ici. Le Sénat n'est constitué que de vieux couards qui n'écoutent ni la vérité, ni la raison. Je les ai avertis pour les Bretons, mais en vain. Commodus occupe les légions à ne rien faire, tandis que la gigantesque armée barbare envahit l'Empire et sème le chaos en approchant de Rome. Les Bretons ? Oui. Et leur armée a décuplé. Tous les opposants à Rome l'ont rallié. Même les tribus des contrées lointaines ont envoyé leurs gigantesques bêtes de guerre. L'empereur et Commodus se sont fait des ennemis. Tellement d'ennemis. Dans tout l'Empire, ces barbares savent combien Rome est affaiblie par le règne de Néron. Ils viennent nous détruire. Détruire l'Empire. Puisque Commodus est mort, ils vont me demander de le remplacer. Et j'aurai besoin de mes meilleurs hommes pour pouvoir défendre Rome. Quand j'ai compris que c'était toi dans l'arène, j'ai préparé ça. L'empereur doit mourir. Et il mourra. Mais avant, il faut sauver Rome. J'ai besoin de toi, Marius. Bats-toi pour ton père. Bats-toi pour ta légion. Bats-toi pour Rome. Boudica,
dont le sort avait autrefois reposé entre mes mains, dirigeait à présent une armée forte de milliers de tribus. Et leur gigantesque bête de siège était à nos portes. Tous les maux de l'Empire étaient rassemblés dans la capitale. Nous devons tous répondre de nos actes, Néron. Mais c'est le peuple de Rome qui s'apprête à payer pour les tiens. Ah, Boudica. Ton ennemi n'est pas Rome, mais bien Néron, qui a fait assassiner nos pères. Et nous obtiendrons vengeance. Mais si l'Empire de Rome venait à tomber, le monde serait plongé dans le chaos. La civilisation serait détruite. Je ne peux pas te laisser faire ça. Tu l'es, retrouvez le moral de nos troupes.
vais devoir les remplacer. Visez leurs guerriers. D'autres archers par ici. Nous devons les contenir. Feu à volonté! Je vais mener la contre-attaque, j'ai besoin de tous les hommes disponibles. Non, c'est moi qui vais la lancer. C'est du suicide. Je ne vais quand même pas te laisser récolter tous les honnêtes. La réserve de la 4e cohorte s'est assemblée. Mais l'ennemi a percé nos lignes. Des assauts ont lieu un peu partout dans la ville. À vos ordres. Ah!
quatrième cohorte ? Oui. Allez, par ici ! Faut dégager le passage ! Vitalion est de l'autre côté ! Toi là ! Au travail ! À vos ordres. Un groupe ennemi ! Légionnaire ! En position défensive sur le flanc gauche ! Archer ! Sur la plateforme gauche ! Le déblayage est en cours ! Rejoindre notre commandant. Rod ne tombera pas. Ne vous arrêtez pas. Yeah.
Marius, fils de Rome. Lève-toi. Il n'est pas trop tard. Ton destin t'attend. Regardez autour. Comment pourrais-je sauver Rome? C'est la fin. Ne perds pas de temps à arracher les pétales. Coupe la tête. Boudica. Boudica. Général, on ne les retiendra plus longtemps. Boudica. Général ? Général, j'ignore combien de temps nous tiendrons. Les dieux sont contre nous. Nous devons... battre en retraite ? Fuir ? C'est pour me dire ça que tu es venu ? Que tu as abandonné tes hommes. Les dieux nous ont choisis. Et tu voudrais fuir. Je devrais te tuer moi-même. Tu fais honte à tes hommes. Tu fais honte à ton général. Tu fais honte à Rome. Je te le jure, Centurion. Rome ne tombera pas. Pas aujourd'hui. Nous battrons. Dis à ce qui reste de la 6e Légion de venir renforcer le flanc ouest, que la 5e quitte la vieille ville et fasse pareil. Je vais repousser l'ennemi devant le palais avec ce qui reste de la 14e. Vite ! À vos ordres ! La ligne de front résistera. Même si je dois la tenir moi-même. Par ici, Général. Les forces de Boudica ont envahi le Forum. Quels sont vos ordres? Il faut éliminer la garde rapprochée de Boudica et la tuer. Retournez chez moi.
Suis-moi. À vos ordres. En bas. En renfort. On a des pilotes juste de là, général. Voilà Boudica, général! Sur l'éléphant! Elle essaie de percer les défenses du palais! De quelle artillerie disposons-nous? Il y a un scorpion sur la corniche, général! Général! Ne reculez pas trop! Leurs archers quadrillent toute la zone! Voilà Boudica, général! Sur l'éléphant! Elle essaie de percer les défenses du palais! De quelle artillerie disposons-nous? Il y a un scorpion sur la corniche, général! Attention! Un autre éléphant! Général, ces éléphants sont trop bien protégés! Le scorpion est le seul moyen de les éliminer! Voilà, une charge! Voilà Boudica, général! Sur l'éléphant! Elle essaie de percer les défenses du palais! De quelle artillerie disposons-nous? Il y a un scorpion sur la corniche, général! Attention! Un autre éléphant de guerre! En voilà un! Une charge! Te revoilà, Romain. Cette fois, tu te rendras ou tu le paieras. Et te laisser détruire Rome? Jamais! Il ne peut y avoir qu'un vainqueur. Et je ne te laisserai pas me priver de ma victoire. Yeah!
Marius, fils de Rome. Nous ne sommes pas si différents, toi et moi. Le destin a fait de nous des ennemis. Mais dans une autre vie. Dans une autre vie, peut-être. Pas dans celle-là. Non. Pas dans celle-là. Vas-y, Romain. Vas-y. Centurion Severus, à moi! Expose ça à l'endroit le plus élevé que tu trouveras. Les barbares sont furants à sa vue. La victoire sera à nous. Puisque tu n'es pas là pour me protéger, que veux-tu? Tu as fait assassiner ma famille. Rome est en ruine par ta faute. Tout
ce qui s'est passé. Toutes ces morts inutiles. C'est ta jalousie, ton orgueil et ton arrogance qui en sont la cause. Attends. Aurais-tu oublié la prophétie de l'oracle ? L'empereur Néron ne pourra mourir que par sa propre épée. Je suis le seul à pouvoir me tuer, tu l'as dit toi-même. Les dieux t'en voudraient. Et donne-moi ta dague, général. Que ma mort soit celle d'un empereur. Même si ma vie ne l'a pas été. Tu m'as dit que vous aviez vaincu les barbares. Donc ? Ce ne sont pas eux derrière cette porte. Ce sont mes prétoriens. Garde ! Garde ! Damoclès est ici, il veut me tuer ! Protégez-moi ! Marius, cher Marius. As-tu la moindre idée de tous les ennuis que tu m'as causés ? Sais-tu tout le mal que je me suis donné pour mettre tout cela en place ? Marius, attention ! Vous, mortels, avez vos jeux. Nous avons les nôtres. Mais il y a des règles. Oh. Thank you.
Rome finit par panser ses blessures, et sa civilisation fleurit de plus belle. Sauvée par un héros méconnu, la ville devait perdurer des milliers d'années. Et il en serait ainsi jusqu'au dernier jour des hommes.